Je suis maître de conférence en histoire du droit et spécialisée en droit normand, qui est vraiment une spécificité de notre province, puisqu'aucune autre province n'enseigne encore le droit coutumier. Et si nous enseignons en Normandie le droit coutumier, c'est parce que justement, il est encore en vigueur dans ces anciennes parcelles du duché de Normandie que sont les îles anglo-normandes. Si la fête des Normands m'intéresse et si j'ai accepté la proposition de parrainer ou de marrainer cette fête des Normands, c'est parce que justement elle me semble correspondre dans son esprit à une spécificité normande qui est celle de se fédérer autour d'un État, autour d'une coutume et d'un côté très égalitaire des Normands. Parce que justement ce droit normand avait cette particularité de fédérer tous les Normands. Je trouve qu'il est bien, à l'heure actuelle, que les Normands se réapproprient leur histoire, bien sûr, mais aussi leur identité, leur spécificité. Et ce projet Fête des Normands me paraît une manière, justement, de célébrer toutes les identités normandes, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient géographiques, historiques, juridiques. Il me semble important, à l'heure actuelle où les régions prennent justement une certaine importance, où les actions régionales se font de plus en plus fortes, et bien justement de mettre en avant cette identité normande. Et puis il ne faut pas oublier non plus que les Normands de tout temps ont servi de modèle parce qu'ils sont allés à l'étranger. On parlait des cadets de Normandie, c'est-à-dire ces cadets qui n'avaient pas l'héritage, puisque le droit normand est bien privilégié lorsqu'il y avait un fief, l'héritage du fils aîné. Et donc ces cadets, qu'on appelait les cadets de Normandie, sont partis à l'étranger. On connaît bien sûr l'exemple de la Sicile, de l'Angleterre, mais aussi du Canada, des Canaries, Jérusalem, Antioche, ils sont allés partout. Et lorsqu'ils sont partis avec ce projet normand. Ils ne sont pas installés pour justement développer leur petit commerce particulier, mais au contraire en important ces valeurs normandes et en les diffusant. Et je pense que la fête des Normands, c'est aussi mettre en avant un modèle normand qui a réussi, qui réussit encore dans les îles anglo-normandes. Je pense que la fête des Normands, c'est pas seulement mettre en avant la région, mais c'est aussi mettre en avant cette spécificité normande de manière même européenne à l'heure où justement, on est en train de reconstruire une Europe.